L'argent, ça fait pour te faire des plaisirs. J'avais un forfait Orange, j'avais plus de 2000 euros. Et mon père, il était obligé de payer. Parce que j'avais pas que la tête, je dépensais. Quand j'avais des sous, j'achetais plein de trucs. Et je dépensais comme ça. Je savais pas, moi, au début, j'avais pas un ensemble de l'argent. J'achetais une cinéphile, j'achetais des trucs. Là, j'ai acheté un portable de 100 euros. J'ai demandé à la cartelle, j'ai fait des devis et je me suis acheté un portable. Moi, c'est important pour moi. C'est important. Ça l'a tout le temps été. L'argent de poche, c'est bien, mais l'argent en plus, c'est mieux. Quand tu te retrouves à découvert, moi, j'étais avec un ami, il signait mes chèques avec mon nom, à la poste, j'étais. Ce que j'ai tous les mois, je le gère très bien. J'ai jamais eu de problème. Moi, j'essaie de ne pas emprunter. Hein. Je préfère me priver d'une chose et me l'acheter plus tard. J'ai de l'argent de côté. Hein. Il n'y a qu'un compte qu'on ne touche pas et ça se multiplie. Tu t'en fiches? Ouais, je m'en fiche. Je demande un peu sur la tutelle et ils me donnent. Par exemple, une moto est chère. Ah oui. J'avais des sous de côté déjà, j'avais été regarder les prix. Bon, après j'ai dit à ma tutelle, bon, j'ai vu ça, ça me coûte ça, ça, ça. J'ai fait des économies, c'est un truc que je voulais, donc voilà. Après, c'est vrai que c'est point de vue réparation, entretien et tout. C'est vrai que c'est cher. Il faut faire attention, voilà. Bon, avec l'argent que j'ai 80 euros pour le mois, et moi, c'est pas assez, quoi. Il me faudrait moins 40 euros de plus. Moi, je trouve que c'est un peu juste. Hein. C'est 40 euros par semaine. Que si on a besoin de quelque chose, on demande à la curatelle, celle qui donne le feu vert. Oui, non, on peut pas, voilà. C'est difficile d'avoir le feu vert? Des fois, oui. Pourquoi? Ben, parce que tout coûte cher, ça dépend de la somme, ouais. Ça dépend, voilà. Après, c'est elle qui prend les décisions. Ça dépend, voilà. Ça dépend du prix ou ça dépend de votre projet? Des deux, le prix, le projet. Est-ce qu'il y a des projets qui vous tenaient à cœur que vous n'avez pas pu faire? Parce qu'on vous a dit non, pas ce projet-là. Mais là, ça fait 4 ans que je ne suis pas parti en vacances, donc cette année je pars une semaine. Ça me coûte presque 900 euros. Moi, je suis allé au Maroc. J'avais jamais voyagé. Mon premier voyage au Maroc. Une semaine au Maroc. Tout compris. Ça, c'est les voyages, c'est autre chose. C'est en plus, comme elle me dit. Alors, comme maintenant, je m'achète une voiture, mais neuve. Madame Abardier m'a dit, tu pourras l'acheter neuve. Moi, je veux une voiture neuve. Ça vous rassure d'avoir de l'argent? Rassure. Ou ça vous inquiète? Non, c'est bon. On serait inquiété, on en a. C'est dur d'être frustré? Ben oui, parce que moi je voulais passer le code pour la voiture et tout. C'est frustrant parce que j'ai des sous de côté, je peux pas, donc j'essaie de voir pour le code moto. Quand vous êtes au travail, vous pensez à l'argent que vous gagnez, à la moto possible derrière? Est-ce que c'est la motivation du travail, l'argent? Oui. Un travail, on peut pas avoir d'argent, on peut rien avoir. Donc il faut travailler pour avoir l'argent, il faut pas être trop malade, que sinon on gagne rien. C'est un souci. Donc après, il faut beaucoup gérer beaucoup de choses. Oui, c'est un gros souci, oui. Moi j'étais malade pendant 6 mois, j'ai loupé pas mal au travail. Je me suis retrouvé pas avec une grosse somme à la paye, quoi, voilà. Donc après... Le salaire. Oui. C'est un bon salaire ou pas? Ben oui, 600, entre 600 et 700 euros quand même. Ça suffit? Ben oui, je sais pas combien ça représente en francs, mais oui, déjà, c'est déjà pas mal, ouais. Mais après, il y a tout mis à côté, il y a la cantine enlevée, il y a les assurances, il y a beaucoup de choses à enlever, quoi. C'est vrai que, oui. Vous aimeriez travailler plus pour gagner encore plus? Si ça peut se faire, oui, pourquoi pas. Oui. Vous seriez parce que dans 4 ou 5 ans, je vais être peut-être à la retraite. Hein, donc je pense continuer à travailler au moins 10 ans, 11 ans de plus. Quoi, jusqu'à au moins à la soixantaine.